Ah, ça va devenir intéressant, là. Ils ne sont plus qu'à un but de la prolongation. Oh, la physionomie de la rencontre qui n'est plus la même. Ouais, parce que maintenant, ils sont virtuellement éliminés. Hein. Faut réagir tout de suite. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ouais, joli, le 1-2. Danny Welbeck. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ah oui, il a du soutien, ça peut être. Mohamed El Neni. Ah, la frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. L'arbitre laisse l'avantage à Arsenal. Il récupère le ballon sur cette interception. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Javier Pastore. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Et le ballon qui change de camp. Javier Pastore. Nathan Aké. Tariq Elion aussi. On s'approche du but. Ouais, dommage. Talonnade interceptée. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Coquelin. Javier Pastore. Ah, ça circule très bien, hein. C'est bien joué. Nnini. Ouais, très bon tac. Il récupère le ballon. Le long de la ligne de touche. Bon centre, mais la défense, il prend sa chance. Le gardien qui sort le grand jeu, vraiment, sur cette action. Danny Welbeck. Un bon ballon d'attaque. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Et l'attaque va s'arrêter là. Tariq Elion aussi. Le ballon qui sort. Nnini. Ce ballon qui est intercepté. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Allez, peut-être une bonne occasion. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ouais, bon bah, et l'arbitre qui arrête le match. Hein. On va pas laisser un joueur blessé comme ça quand. Même. Un joueur blessé et qui va sortir définitivement. Le jeu va pouvoir reprendre. Alex Iwobi. Omar El Abdelhaoui. Attention, ça peut être dangereux. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ils construisent, ils font tourner. Ah oui, de la tête. Ah, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Corner, attention à ses coups de pied arrêtés. Ah, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Oui, carton jaune. La frappe. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Est-ce qu'il va centrer? Le centre à suivre peut-être.
Mais non, pas assez de conviction dans la passe, dommage. On retiendra donc de cette première. C'est reparti pour la seconde période dans ce match. Ouais, on va voir si les joueurs ont bien récupéré pendant le repos. Omar El Abdelhaoui, ouais, il lui redonne. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Danny Welbeck. Nini. La bonne interception. Il s'avance vers la surface. Et Younoussi. Ballon bien négocié par le gardien. Et ça sort en 6 mètres. Mathieu Debuchy. Nini. Javier Pastore. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Omar El Abdelhaoui. Les 30 derniers mètres. La frappe. Et il marque! Et un but qui fait du bien à cette équipe car elle lui permet de revenir à la hauteur de l'adversaire sur l'ensemble des deux matchs. C'est pas impossible qu'on soit couché un peu plus tard, Hervé. Hein. Et le but! Oh, un match au retour où rien n'est fait! Et ce but en est la preuve! Ah, tout peut basculer très vite et si tu veux mon avis de grand optimiste, bah, je pense qu'on va pas en rester là, Hervé. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Gibbs. Il est dépossédé du ballon. Mabaye Younoussi. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, l'avantage pour Arsenal. Coquelin. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et le challenger qui tient son résultat pour le moment. Et quel résultat, Hervé, hein. À mon avis, au petit jeu des pronos, beaucoup ont dû se planter sur ce match. Ce ballon qui est intercepté. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ah non, c'est pas bien fait ça. La passe est mal assurée, c'est une interception. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Arsenal qui bénéficie d'un corner. Attention, la tête. Eh oui, il y est. Ils ont fait le plus dur maintenant. Soit ils essayent d'en mettre un autre, soit ils jouent à 11 devant le but, mais la qualif est en vue. On revoit ce but inscrit par Arsenal sur coup franc. Il y a peut-être une erreur de marquage sur ce corner, mais enfin, ça n'enlève rien à la qualité de ce coup de pied arrêté. Hein. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Ouais, bonne transmission. On s'approche de la zone de vérité. Nini. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Tandis que la possession du ballon apparaît à l'écran. Ouais, pour l'instant, ça se tient. Hein. Bonne anticipation sur cette passe. Il tacle. Ah, c'est une touche. Omar El Abdelhaoui. Laurent Koscielny. Javier Pastore. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, jolie conservation du ballon. Il choisit la frappe. Il repousse le tir. Attention à ce corner.
On sait que l'équipe est déjà virtuellement qualifiée, mais elle validerait définitivement son billet si elle pouvait marquer maintenant. Coquelin. Laurent Koscielny. Javier Pastore. Elle a peut-être une bonne occasion. Ouais, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. Non, non. Ce sera finalement hors jeu. Omar El Abdelhaoui. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Encore une bonne passe. Allez, le centre. Elle s'est repoussée du point par le gardien. On s'approche du but. Omar El Abdelhaoui. Mohamed El Younoussi. Le centre, attention. Il perd le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. Il faut marquer sur ce corner. Cette équipe le sait très bien. Il reste très peu de temps à jouer dans cette rencontre. Ils ont encore besoin de deux buts pour se qualifier. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus.
Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Bonne anticipation sur cette interception. Lendonker, ça passe très très loin du cadre. Lendonker. Witzel, ils enchaînent les passes, le décalage qui va sans doute venir. Oh oui, la bonne option. Nan dans le cœur. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Kisuke Honda. Ah, et ça sort en touche. Witzel. Un bon ballon d'attaque. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. La frappe. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage. La voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Darlan Pabon. Et on revient vers le même joueur. Bien joué. Dans le cœur. Une, deux. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Corner à suivre. Et la voilà, la frappe. Ah, c'est dommage, vraiment. Ouais, ça manque de précision, quoi. Ouais, la bonne intention. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Witzel. Allez, qui va reprendre ce ballon? Attention, ça peut être dangereux. Il arrive à centrer. Il reprend ce ballon de la tête. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Nan dans le cœur. Ah, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Nan dans le cœur. Allez, ils vont jouer la touche. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Nan dans le cœur. Les 30 derniers mètres. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ce sera une touche. Kisuke Honda. Ouais, c'est bien donné ça. Ouais, le centre.
Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Il s'avance vers la surface. Ah non, ballon perdu. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Darlan Pabon. C'est le face-à-face avec le gardien. Ouais, le drapeau qui s'est levé. Il est dommage parce qu'il était seul. Nan Dunker. Oui, bien sûr qu'il y a faute. Avec un tir. Ah, c'est complet. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Mitel. Bonne anticipation sur cette passe. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Et l'attaque va s'arrêter là. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Honda. Ça part bien, action dangereuse. Le gardien qui va tenter. Choisit la frappe. Ah, la parade du gardien. Et encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Il s'est dégagé du point. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Ah, il est à l'interception. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, ça c'est bien joué. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ouais, il lui rend première intention. Allez, peut-être une bonne touche. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc et ce ballon qui est perdu. Ouais, le tacle et ça sort en touche. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Oh, parfait la passe. Adrien très belle. Ah, facile la récupération. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Lee. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Adrien très belle. Alors on va jouer sur l'autre flanc. Christophe Jallet. Le tir. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. ...20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, peut-être une bonne occasion.
Ils sont en train de poser leur jeu patiemment en profondeur. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. J'ai parlé un petit peu vite, je crois. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Bonne récupération au milieu de terrain. C'est dévié. Ce sera une touche. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. La frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et ils obtiennent le corner. Ouais, la belle tête. Un joueur qui se rate complètement. Trop de précipitation, c'est dommage. C'est quand même un ballon important. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu.
Bonjour et bienvenue à tous. Au menu du jour, un match de coupe. Installez-vous, vous devriez vous régaler. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce match. Et dans ce match, nous allons retrouver Leicester face à Tottenham. Et du côté de Leicester, voici les joueurs qui vont débuter la rencontre. Voici le 11 de départ de cette équipe de Tottenham. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ça n'ira pas plus loin. Touré. Niang. Yaya Touré maintenant. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Magnang. Pour Jamie Vardy peut-être, par-dessus. La bonne conduite de balle. Jamie Vardy. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Alderweireld. Edmundson. Christian Eriksen. Harry Kane. Avec lui, Pierre, on peut s'attendre à quoi? C'est un joueur qui donne vraiment tout sur le terrain. Ouais, c'est un régal pour un entraîneur d'avoir un attaquant infatigable comme ça. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Lamela. Eliakim Mangala. Edmundson. Ouais, un bon ballon d'attaque. Harry Kane. Un duel pour la récupération du ballon. Non, ça n'ira pas plus loin. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Edmundson. Eriksen. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Et Fred Didi. Leicester City qui va découvrir la C1. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ouais, belle sortie. Ouais, avantage en faveur des Spurs, bien arbitré. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, bonne interception. Kyle Walker. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Avec un tir. Ballon bien négocié par le gardien. Corner. Allez, pourquoi pas un but, pour prendre l'avantage au score. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Il y avait une faute, mais Tottenham continue de jouer. L'arbitre a fait signe. Eriksen, pas de problème pour le gardien. Allez, dans le couloir. Le centre. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. On approche de la mi-temps. Pas de but pour Tottenham. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le tacle propre, le ballon toujours en jeu. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Yaya Touré. Il
Ils attendent une ouverture dans la défense. Magnang. Attention, ça peut être dangereux. Un petit peu d'espace pour centrer. Jamie Verdi. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. 2 minutes. Ce sera le temps additionnel. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 1-0. C'est le coup d'envoi de la seconde période. Et qui sait, Hervé, on va peut-être enfin voir du foot. Agminson, il est là pour récupérer ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. Il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. Et non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Bonne anticipation sur cette interception. Gaïa. Emiliano Insua. Touré. Il a quand même pas mal d'abattage en milieu de terrain. Gaïa Touré. Un peu plus jeune, c'était vraiment ce qu'on appelait un milieu box-to-box. Maintenant, avec le poids des années, il essaye peut-être d'être un petit peu plus offensif parce que ses qualités techniques restent exceptionnelles. Ils construisent patiemment, hein. Ils attendent l'ouverture. Attention à la frappe. Ouais, corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. La tête. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Ouais, il est à la récupération au milieu de terrain. Bonne anticipation sur cette passe. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ouais. Ouais, il y a faute. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Agminson. Gaïa. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, très bon. Harry Kane qui frappe. Oh, c'est repoussé par le montant. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Ouais, la frappe. L'Axalt. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Yaya Touré. Ah, facile la récupération. Rémi. Magnang. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Niang. Et l'arrêt du gardien. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Bon centre, mais Niang. Et le but! Ils mènent au score désormais. Ah, c'est un beau but, Hervé. Hein. Puissance sur la gauche. Ah, ça pardonne pas. Hein. T'as regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il aura fallu. Attendre la seconde période pour voir le premier but.
l'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ah, ça ne passe pas. Décidément, il a du mal à assurer ses passes aujourd'hui. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Hugminson. Harry Kane. Il parvient à stopper cette offensive. Oui, attention. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Ils obtiennent finalement le corner. Ah oui, de la tête. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Non, non, ça ne passe pas. Belle fête, Didi. Bonne récupération au milieu de terrain. Christian Eriksen. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Allez, coup franc. On va voir ce qu'ils vont faire. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Sur ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Ça devient un petit peu pénible pour les supporters visiteurs avec ce score défavorable et les minutes qui défilent. Ah oui, elle défile même quand ça joue pas. Et juste... Les classes, Zule. Ballon bien négocié par le gardien. Jamie Verdi peut-être par-dessus. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le centre dans ces contrées. Christian Eriksen. Voilà, c'est fini à l'instant. La bonne conduite de balle. Jamie Verdi. Avec un tir, ballon bien négocié par le gardien. Il y avait une faute, mais Tottenham. Eriksen, pas de problème pour le gardien. Un bon ballon d'attaque. Ouais, très bon Harry Kane qui frappe. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Bon centre, mais Niang. Et le but ! Il mène au score désormais. Oui, attention. Le gardien qui se détend parfaitement bien.
Salut à tous, match de coupe aujourd'hui, je suis en compagnie du populaire Pierre Ménès pour vous faire vivre cette rencontre. Salut Pierre. Bonjour Hervé. Ah. Bonjour tout le monde. Cette rencontre, elle va se jouer dans ce stade, capable d'accueillir 18 500 personnes. C'est pas énorme, mais entre un bon match dans un petit stade et un match moisi dans un grand, ben moi j'ai vite fait mon choix. Hein. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Didier Drogba, la frappe, un but tout en finesse. Le gardien est battu sur cette action, on revoit ça au ralenti. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. Hein. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Allez, il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils ont encaissé un but dès le début du match. Paulinho. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Les 30 derniers mètres. Et l'attaque va s'arrêter là. Podolski. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Ouais, la prochaine fois, je pense que ce sera un carton. Mais pour l'instant, l'arbitre est clément. Et les joueurs du mur qui ont bien fait de sauter. Hein. Le défenseur se fait bousculer. Wayne Rooney. Rooney. On s'approche de la zone de vérité. Jones. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le ballon sort en corner. Ah oui, le bon tacle. Interception. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Wayne Rooney, on s'approche du but. Oui, la passe. Paulinho. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? Serna. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Podolski. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Didier Drogba. Le bon ballon. Ouais, c'est pour le gardien. Pereira. Baïkchi. Moses Simon. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Rooney. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Elle récupère ce ballon dans l'entrejeu. Drogba. Ah, ça ne passe pas. Fabian Johnson. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Wayne Rooney, ça peut être dangereux. Allez, qui va reprendre ce ballon? Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Serna. Allez, on redouble les passes. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté.
Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune? Bon, le carton jaune. Il va falloir qu'il... Il y en a carreau maintenant. Moses Simon. Johnson. Break chez. Il faut être vigilant hein, sur ce corner. Il perd le ballon. Il dégage avec autorité, mais c'est bien défendu. Baichi, ça n'ira pas plus loin. Et René qui voit son ballon intercepté. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement? Carton jaune pour cette faute. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention à cette bonne passe. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. La bonne interception. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ribéry. Non, sans problème pour le gardien. Arrêt du gardien. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Le match reprend à l'instant, début donc de la seconde période. Jones. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Didier Drogba. Non, ça ne passe pas. Moses Simon. Lucas Podolski. Il s'avance vers la surface. Et la voilà la frappe. Oh, Didier Drogba. Oh, le but! Eh bien oui, il creuse l'écart avec ce but maintenant. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Tiens, regardez, il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Paulinho. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, il perd le ballon. Bon tacle. Wayne Rooney. Ça a été dévié. Touche. Fabian Johnson. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but.
On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh, la belle passe pour Rooney. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Moses Simon. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Il est le premier sur cette passe de Wayne Rooney. Et le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Ribéry. Franck Ribéry, pas le genre de joueur qui s'économise hein, sur un match. Non, ça, il court beaucoup, il décroche souvent. Mais enfin, il est quand même un grand fan de son côté gauche. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Fabian Johnson. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Brecci. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Drogba. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ouais, un bon ballon d'attaque. C'est en cloche pour Wayne Rooney. Il récupère le ballon sur cette interception. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Et ils sont à la récupération. Serna. Oh, superbe contrôle, il peut enchaîner. On s'approche de la zone de vérité. Attention à la réception de ce centre. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et il va y aller. Le gardien qui nous... Sort un arrêt de grande classe. Williams. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Lucas Podolski. Allez, peut-être une bonne occasion. La frappe. Et le repos de Podolski. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Les 30 derniers mètres. Ouais, le bon ballon de contre. Rooney. Ouais, bien défendu. Il y avait un petit peu le feu.
Ça y est, l'arbitre vient de siffler. La fin du match, 2-0 donc. Ce match aller qui se termine sur une victoire. C'est de bon augure pour la suite, bien sûr. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Didier Drogba, la frappe, un but tout en finesse. On s'approche de la zone de vérité. Jones. La Ribéry ? Non, sans problème pour le gardien. Il s'avance vers la surface. Et la voilà, la frappe. Oh ! Didier Drogba. Oh, le but ! Eh bien oui, il creuse l'écart avec ce but maintenant. Oh, la belle passe. Rooney. Il va y aller. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe.
Bonjour, merci d'être avec nous au programme de la Coupe. Ça nous donne des matchs souvent très intenses, hein, Pierre. Ouais, salut Hervé, c'est vrai qu'avec de l'intensité, on a quand même plus de chances de voir un bon spectacle. Voilà, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Hein. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, M. Batou, c'est quand même une performance. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Il s'avance vers la surface. Samu Castillero. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Allez, on va voir ce que va donner ce corner. Il choisit la frappe. Non, c'est très largement au-dessus. Hein. Le gardien qui accompagne ce ballon du regard, il faudrait presque des jumelles. Bien défendu, hein. Villarreal a récupéré la balle. Ah ouais, bien donné en profondeur. Bakambu. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Allez, dans le couloir. Il a choisi de centrer. Et le gardien à la réception de ce centre. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Peut-être une bonne opportunité, attention. La bonne interception. Oh, excellent contrôle. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oh, la mauvaise passe, il n'a pas regardé où il la mettait. Bruno. On s'approche du but. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Attention, la passe en profondeur. Le centre, attention. Cédric Bakambu. Et ce banc qui est perdu. Passons. Avec un tir. Il repousse le tir. Ah, c'est bien donné ça. Il est le premier sur cette passe. Allez, peut-être une bonne occasion. Nicolas Sanson. Attention, il n'y a plus que le gardien. Bruno. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Nicolas Sanson. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Cheryshev. Et ce ballon est intercepté. Ouais, la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Un gardien qui repousse du point. Il reprend de la tête. Oh le but ! Ils prennent l'avantage ! Un but très important ! Allez, pas le plaisir, le petit ralenti de ce but. Ah, le corner est bien tiré, puis enfin la tête est pas mal non plus. Hein. Tout ça est imparable.
Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Bruno. Manu Trigueros. Emmanuel Badou. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Le tir. Oh oui, but ! Encore un ! On revoit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Cédric Bakambu. Manu Trigueros. Ça part bien, action dangereuse. En profondeur, attention. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ils attendent une ouverture dans la défense. On va jouer 3 minutes de plus. Emmanuel Badou. Est-ce ce ballon qui traîne ? Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Voilà, c'est reparti. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Manu Trigueros. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Une, deux. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Bruno. Ouais, ça c'est bien taclé. Faut pas manier ça. Ah, il me plaît ce joueur. Moi, il me plaît vraiment. C'est vrai qu'en ce moment, tout lui réussit, ou presque. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit. La faute, carton peut-être. Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Va falloir faire gaffe maintenant. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Ouais, le gardien bien présent sur le centre. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Samu Castillero. On s'approche du but. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Sortie de but. Faut pas manier ça. On a atteint l'heure de jeu. Allez, peut-être une bonne occasion. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ah, ça va encore se compliquer un peu plus pour eux. Ouais, un joueur de moins, il faut revenir. Compliqué. Il y a des supporters qui ont fait le déplacement, qui sentent que la situation est un petit peu. Le gardien qui boxe ce ballon, qui choisit la frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue.
Keita, une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Tcherichev, peut-être une bonne opportunité, attention. Il prend sa chance. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Faut pas manier ça. Ce sera une sortie de but. Tcherichev. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Un ballon bien récupéré par les jaunes. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, dans le trou. Ah non, ballon perdu. Keita. Tcherichev. Ouais, bonne interception. Est-ce ce ballon qui traîne? On s'approche de la zone de vérité. C'est Eric Bakambu. Et l'attaque va s'arrêter là. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ils vont pouvoir jouer la touche. Arrivé Costa. Manu Trigueros. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. Franck Achiampong. La touche. Manu Trigueros. Nicolas Sanson. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Il a raté sa touche, le ballon récupéré par l'équipe adverse. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. C'est Eric Bakambu. Avec un tir. Et le gardien qui est monté. On joue le tout pour le tout. Roberto Soriano. Ils sont tout proches du match nul maintenant, plus qu'un but.
Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Et 2-1 donc maintenant. Alors carton ou pas pour cette faute? José Angel. Attention, il a du champ devant lui. Il ne doit pas passer loin celle-ci. Hein. Le gardien s'en sort bien parce que c'est un ballon très important. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. Ah, ils sont pas contents, les supporters. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Jonathan Dos Santos. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage hein, pour le joueur qui filait. Dos Santos. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. L'arbitre qui siffle la fin de ce match qui s'achève donc sur le score du 2-1. Ce match aller qui se termine sur une victoire, c'est de bon augure pour la suite bien sûr. Il s'avance vers la surface, Samu Castillero. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Le tir. Oh oui, but. Encore un. Ça va encore se compliquer un peu plus pour eux. Ouais, un joueur de moins, il faut revenir. Compliqué.
Ce match retour qui va commencer avec un léger avantage pour les locaux, Pierre. Oui, en plus du match nul ramené, ils ont marqué à l'extérieur à l'aller, ce qui leur permet pour l'instant d'être confortables. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Dombia. Ça part bien, action dangereuse. Yuri Tillmans. Oh, la transversale! Attention, c'est pas fini, ça continue! Darlan Pabon. Ah, il est à l'interception. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Une, deux. On s'approche du but. Ah, ça ne passe pas. Le duo choisit la frappe. Le corner, ça peut être dangereux. On va revoir cette occasion où le gardien n'est pas malheureux, vous allez pouvoir le constater. Ouais, le bon ballon de contre. Il est sur la trajectoire. Adrien Trebel. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Il prend sa chance. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Attention à la frappe. Ah non, là, pas du tout. Diego Capel. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, touche après un tacle impeccable, soit dit en passant. Adrien Trebel. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Ouais, l'arbitre qui siffle et accorde le coup franc. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur. Et la voilà, la frappe. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. La touche. Donc bien. Oh, la mauvaise passe, il n'a pas regardé où il la mettait. Adrien Trebel. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, ouais, la frappe. Oh, excellent arrêt. Ah, facile la récupération. Donc bien. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Diego Capel. Ouais, c'est au-dessus, mais ça a frôlé la barre vraiment. Le long de la ligne de touche. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Alors, carton ou pas carton, Yuri Tillmans. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Il a choisi de centrer. Le centre qui trouve le défenseur finalement. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Darlan Pabon. On s'approche du but.
Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Oui, il l'a trouvé. Et l'attaque va s'arrêter là. Ça part bien, action dangereuse. Oh, le ballon dangereux. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Corner, le ballon est sorti des limites du terrain. Il joue ce ballon de la tête. Une tête qui finit dans les bras du gardien. Est-ce ce ballon qui traîne? Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. La frappe. Pas de souci pour le gardien. Le gardien qui place ses joueurs sur ce corner. Il prend la frappe. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Seconde période. Il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. Ah, tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Il est à la récupération au milieu de terrain. Diego Capel. Il s'avance vers la surface. Yuri Tillmans. Non, sans problème pour le gardien. Le ballon va être en touche. Dombia. Ah non, c'est pas bien fait ça. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Les 30 derniers mètres. Adrien Trebel. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Ouais, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Et ce sera une touche. Dombia. Il la joue un petit peu comme Hollande. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, un bon ballon d'attaque. Le tir. Ouais, oui, bien joué, le gardien qui a capté. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Oh, le grand danger! Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Bonne récupération au milieu de terrain. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Yuri Tillmans. La passe parfaitement dosée. Dombia. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Ce sera une touche à suivre. Diego Capel. Yuri Tillmans. Minutes à jouer dans le temps réglementaire. Adrien Trebel. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Adrien Trebel. Ouais, bel appel de balle. Ils construisent, ils font tourner.
Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Donc bien. Attention, il a du champ devant lui. Il est là pour récupérer ce ballon. Allez, on redouble les passes. Et ce ballon est intercepté. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Il s'avance vers la surface. Ah oui, de la tête. Oh oui, but! Ouais, alors que là, vous attendrez un peu avant de faire la fête. Ok, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, mais si l'équipe adverse marque encore un but dans les 30 secondes qui viennent, eh ben, c'est elle qui passera grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur. Eh oui, le but! Oh, le but très important, Pierre! Il vient en tête au score cumulé sur les deux matchs. Ah, c'est sûr que maintenant, la rencontre n'est plus la même. Les joueurs savent qu'ils ont fait un premier pas vers la victoire. Il faut... Qui reste concentré. Kisuke Handa. Park Jo-ho. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? Il récupère le ballon sur cette interception. On s'approche de la zone de vérité. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Oui, la passe. Allez, supporters avec un tir. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Allez, c'est un corner qui vaut cher à ce moment-là de la partie. L'équipe serait bien inspirée de marquer parce qu'elle est loin d'être à l'abri. Un but encaissé l'éliminerait. Ça part bien, action dangereuse. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Voilà, c'est fini à l'instant. L'arbitre qui siffle la fin. Yuri Tillmans. Ouais, ouais, la frappe. Oh, excellent arrêt. Ça part bien, action dangereuse. Oh, le ballon dangereux. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. La frappe. Pas de souci pour le gardien. Un bon ballon d'attaque. Le tir. Ouais, oui, bien joué, le gardien qui a capté. Il s'avance vers la surface. Ah oui, de la tête. Allez, c'est pourtant avec un tir. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe.
Il s'avance vers la surface. Ah oui, de la tête. Oh oui, but! Ouais, alors place, j'attendrai un peu avant de faire la fête. Ok, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, mais si l'équipe adverse marque encore un but dans les 30 secondes qui viennent, eh ben, c'est elle qui passera grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur. Il s'avance vers la surface. Ah oui, de la tête. Oh oui, but! Ouais, alors place, j'attendrai un peu avant de faire la fête. Ok, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, mais si l'équipe adverse marque encore un but dans les 30 secondes qui viennent, eh ben, c'est elle qui passera grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur.